La réponse du gouvernement sera ferme, implacable et immédiate. J'ai d'ores et déjà décidé de porter le plan Vigipirate aux urgences attentats sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs autres personnes ont été blessées dans l'attaque. Le président français Emmanuel Macron est maintenant à Nice. Le suspect est à l'hôpital pour blessure après une confrontation avec la police. La police pense que le suspect a agi de son propre chef et dit ne pas être à la recherche d'autres agresseurs. L'incident de jeudi est le troisième du genre en France au cours des... Le maire de Nice a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Mes premiers mots sont d'abord des mots de compassion à l'égard des proches des familles des victimes et de tous ceux de la communauté paroissiale de la basilique Notre-Dame de Nice et de tous les Niçois qui sont sous le choc de l'émotion. Je veux dire que Nice, comme la France et peut-être plus que d'autres lieux de France, aujourd'hui est en train de payer un tribut beaucoup trop lourd